Et bonjour à tous, nous on va là sur Armored Warfare et aujourd'hui on va essayer le Léopard 2AV. Alors ça c'est le modèle Ice que j'avais gagné aussi dans un pack. Non, je crois que tout le monde l'a gagné. Maman, il y avait des missions à faire, c'était tout bête. Il n'y avait pas grand chose à faire, je crois qu'il y a beaucoup de monde qui l'ont gagné. J'ai eu le modèle Predator. Alors je sais pas, ça par contre le modèle Predator, je l'ai eu. J'ai pas compris. Ça a apparu dans le garage après une mise à jour, alors je sais pas ce qui s'est passé. Donc il est là, tant mieux, hein, très bien. Et c'est le même modèle que le modèle dans le jeu classique, sauf que je me suis aperçu il y a pas longtemps que le modèle premium, le Ice et le Predator du Léo 2AV, avait une meilleure peinée au niveau de la paix que le char classique. Meilleure peinée et un meilleur DPM en fait contre. Donc je sais pas pourquoi, parce que d'habitude les chars premium sont identiques aux chars classiques du jeu quand on trouve la réplique exacte, voire même des fois en dessous. Je me suis aperçu, j'étais en train de faire modifier des munitions et je m'aperçois que le char avait une meilleure peinée. Alors pourquoi? Je saurais pas vous dire. Pas compris, y a pas une grosse différence, c'est une différence. Bon, bah, j'ai continué la blague, il est mort. Bon, j'ai pas bien compris pourquoi. Pourtant, c'est pas. J'avais retrouvé ça aussi sur le Terminator 2017, au niveau du canon automatique. Mais comme c'est une évolution, je me suis dit, bon, c'est une évolution. Une petite peinée supplémentaire, je veux dire quelques points de peinée supplémentaires. Un petit alpha un peu meilleur. Mais voilà, je veux dire, il n'y a pas une grosse différence. Mais là, franchement, il y a une différence. Il y a une différence quand même, donc. Donc voilà, pourquoi. Celui-là, allez, on va faire la mission là-bas. Ils sont pas pressés, nos collègues. Attention, missile. Mon prochain coup est mort, mais il va peut-être m'envoyer un missile. Logiquement, il peut pas me le passer de missile. C'est pour ça qu'il n'a pas tiré. Aïe 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 aïe. Vous m'attendez tous. Ah là là. En bas, c'est pas lui que je visais, super. Enfin, tant mieux, c'est rentré. Hein. Il est long par contre. Je sais pas, j'ai joué le. Ah, c'est pas le même char, j'ai joué tout à l'heure. Donc, je me suis aperçu qu'il y avait une différence de PD en fait. Pourquoi? Parce que d'habitude, c'est pas ce qu'ils font. Allez, char. Oui, j'ai réussi à le choper malheureusement de justesse. Hein. Alors l'autre, il est mort. Ah non, l'expérimental tanky, il est où? Où il a fait son petit tour l'autre? Soit il est là encore. Non, bon, il est derrière. Bon allez, on va aller chercher. Bon bah non, on va pas aller chercher. Si. Oui, non, il est parti derrière, il va faire la mission. Bon bah le Sukiri, tu vas peut-être le tuer quand même, voilà. Du coup c'est même pas lui qui l'a tué. Mais non, celui-là ça fait un petit moment que je l'ai en fait.
t'étais dans les débuts du jeu, enfin dans les débuts du jeu. Un petit moment après le début, on avait ce char là qui était franchement sympathique. Avec la fumigène, même si ça sert à rien ce que j'ai fait. Oui, je suis pas mythe de face. C'est frise que j'ai en ce moment. Alors non, ouais, bah on fait un objet 287. On a encore un objet 287 avec nous. Est-ce que c'est un pseudo russe? Ouais, non, il n'y a pas de... Attends, j'allais voir s'ils l'ont pas mis en vente par hasard. Attends, normalement on devrait le gagner. Juste à faire quelques dégâts chaque jour pendant bah c'était hier, c'était samedi en fait, non. Aujourd'hui dimanche, vendredi il y avait à faire je crois que c'est 2000 points de dégâts dans n'importe quel type de bataille. Faire une partie au moins par jour, faire 2000 de dégâts. Et ça, vous faites ça du lundi au... du vendredi au mardi. Et si vous arrivez à faire ça tous les... pendant les 5 jours, les 4-5 jours, bah vous avez un super skin qui est très joli, qui a l'air d'être très joli, qui s'applique sur ce char là. Donc après, je sais pas, ouais, je sais pas, j'en vois beaucoup là, donc tous ceux que j'ai vu c'était des pseudo-russes, donc lui c'est peut-être, les russes écrivent pas toujours en cyrillique, hein. Donc on va voir ça. Bon, mais ça ne m'a pas empêché de faire une bonne partie, tout ça. Correct, une petite partie tranquille. Bon allez, je vous dis à plus et au prochain chat. Allez, ciao ciao!